Easter. This Sunday falls between two major feasts, the Ascension that we celebrated last Thursday and Pentecost to be celebrated next Sunday. The Gospel excerpts comes from the prayer of Jesus at the Last Supper when he declared that his earthly mission has been fulfilled. He then asked the Father to give him the same glory that he enjoyed with him before the beginning of the world. That prayer was answered on Ascension Day when Jesus was lifted up to heaven and given a seat at the right hand of the Father. The Church unceasingly rejoices at the honor conferred upon her love on her Lord on that great day. The first meeting deed of Jesus as King, sitting on the throne of power and glory, is to send his Holy Spirit upon the Church. This will be the high point of the Feast of Pentecost, which fulfills the great promise. The human spirit, bright as it is unable to understand the greatness of God's mystery, but the Spirit enhances our capacity to understand God's holy will and to love and willingly embrace it. Without the Spirit, no one can reach God, can appreciate God's mercy. So next Sunday, therefore, we will commemorate and mostly reenact the outpouring of the heavenly gift of the Spirit on our assemblies. Even though no longer with us physically, Jesus is still with us through the Spirit as really as he was when he walked on the roads of Galilee. Let us spend this week praying intensely for that Spirit of truth, power, love, unity, and peace. Only through these gifts shall we be successful in our mission as Christians. So, Jesus wants to put special gift into us so that we can be totally comforted and able to really speak on behalf of the Spirit, on behalf of God. Brève méditation en ce septième dimanche de Pâques, aujourd'hui le 24 mai 2020. Nous vivons dans la liturgie de ce jour un temps frontière entre l'Ascension et la Pentecôte. Nous aurions bien souhaité voir Jésus marcher sur nos routes, le toucher et l'entendre. Mais depuis l'Ascension, il a laissé le monde. Il est auprès du Père. C'est que la volonté de Dieu est de rendre Jésus présent en nous et par nous, non pas visiblement à côté de nous. La mission de Jésus est de relever l'homme et d'en faire un tabernacle vivant pour que la révélation de Dieu à l'homme se fasse par l'homme. Le chrétien a pour but de refléter l'amour de Dieu par le témoignage de sa vie. La capacité d'aimer manifeste notre grandeur. C'est par l'amour que le chrétien annonce Dieu. L'homme sans amour est un monstre. Nous comprenons ainsi l'importance de la Pentecôte qui marque l'avènement de l'Esprit de Dieu sur nous. C'est ce don mystérieux d'en haut qui nous donne cette capacité d'aimer comme Jésus a aimé. Sans le secours de l'Esprit, nous restons terre à terre. Prions donc cette semaine de tout notre cœur pour que nous aussi recevions ce cadeau du ciel et que nous devenions capables d'apporter à un monde perdu et corrompu
les trésors du salut. Envoie, Seigneur, ton esprit, et tu renouvelleras la face de la terre. Nous devons donc accepter l'esprit, recevoir l'esprit. L'esprit doit nous transformer et nous permettre de faire connaître le Père et le Fils par nos paroles et l'exemple de notre vie. Que le Seigneur nous permette de grandir dans ce don de l'esprit qui seul peut nous rendre possible d'accomplir une mission de salut dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Ksemoyo, jeudi à ce 24 mai, côté l'Église, a célébré 7e dimanche, fête Pâques. Dans 7e dimanche-là, qui s'annourait que son dimanche qui tombait entre fête l'Ascension, jeudi dernier, côté Jésus monté dans le ciel, la chita côte papa, et puis le dimanche cap suivant, la Pentecôte, que Jésus râle. L'avoué propre, l'esprit pâle, la mettait dans l'esprit moun, qui croit en lui, pour le transformer, pour permettre que mystère, merveille, bon Dieu, hein, qu'Abvin paraît à travers parole, exemple et conduite, moun qui croit, que c'est nous-mêmes qui avons pour mission, pour nous annoncer Jésus, pour nous porter Jésus. Pour nous porter la vie de l'esprit, si vraiment nous croyons en Jésus, et nous accepter conversion, nous accepter repentir, nous suspendre, quitter que l'esprit des autres conduit nous, nous mourir à ça qui mal, et nous quitter puissance, bon Dieu, transformer, comme ça, la façon de vivre, remets-nous, l'exemple, la vie, nous qu'a fait l'autre monde, découvrir, belle terre puissance qu'il a Christ, et nous avons invité l'autre monde pour repentir et accepter mourir dans ça, dans suspendre fait ça qui mal, pour tourner des mondes tout neufs. Donc, invitation pour nous tourner des mondes nouveaux. C'est ça l'Église a demandé une fête. C'est ça, grâce, bon Dieu, a accompli dans la vie, nous, si au moins nous croyons et nous l'ouvrons. Pour quitter puissance, mon Dieu, transformez-nous. C'est peut-être ça qu'on dit, Seigneur, t'en prie, voyez l'Esprit sous nous, et nous-mêmes tous, la renouveler figure terre. C'est pour mon Dieu bénir. Maman, règne en ciel là, maman qui plaît pour toi, maman qui vient que son fils, pour tout petit lion. Salut, maman, maman, je suis qui t'aimait. Maman, je dois prendre soin, la journée comme pour la nuit. Voyez-vous, maman, ma foi, maman, j'ai dit qu'il te plaît. Maman,
enfants, délivre-moi tous les péchés. Soyez-vous enfants de notre Dieu. Enfants qui poussent son côté. Maman qui consolez-nous, les longues de danger, dans la peine, dans la souffrance, où toujours soutenez-nous. Soyez-vous, maman, la gloire, maman, c'est lui qui consolez. Maman, délivre-moi, Thank you.